Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, chez vous, Christine Bravo. Gérard Miller. Jean-Benguigui. Isabelle Alonso. Philippe Bordel. Et Caroline Diamant. Gérard. On va être sérieux tout de suite pour commencer, après on pourra s'amuser. Vous êtes sérieux pour commencer cette émission? Ce jeune homme est en train de revêtir un t-shirt dessiné par Jean-Paul Gaultier pour Autistes sans frontières. Ce t-shirt coûte 15 euros. Qu'est-ce que c'est que 15 euros? C'est le prix qu'il faut payer pour qu'un jeune autiste ne soit pas hospitalisé, ne soit pas parqué, mais qu'il soit dans un milieu ordinaire, scolarisé. Et donc c'est vraiment une très bonne action, parce que ce qui est essentiel pour les enfants autistes, c'est qu'ils soient le plus possible dans la vie courante avec les gens ordinaires. Achetez ce t-shirt, ce poulard. Achetez ce t-shirt. Et vous parlerez beaucoup mieux après. On passe tout de suite à la photo du jour, si vous voulez bien. Et cette photo, c'est évidemment celle de Fernando Alonso, le plus jeune champion du monde de Formule 1 et premier espagnol à obtenir un tel titre. Attention quand même, c'est grâce à une voiture française. Et c'est quand même la voiture qui compte. Croyez-moi, si on faisait piloter un taureau par un Français, c'est pas sûr qu'il gagnerait. Oh, quel mauvais espoir. Qu'est-ce qu'il y a, Mais moi, mais mon cœur va à cette association, la France et l'Espagne, c'est-à-dire les deux pays que j'aime le plus au monde. Oui. C'est la raison pour laquelle je me suis habillée en or. Voilà. Vous êtes habillée en or et vous êtes célibataire, donc c'est du plaqué or. Isabelle Alonso. Rappelons que ce n'est pas quelqu'un qui appartient à votre famille. Hein. Je n'aurai qu'un mot, vroom vroom. Non, ce n'est pas quelqu'un qui appartient à ma famille, mais on a le même nom et tout vient du nom. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, tout vient du nom. Henri Miller, Arthur Miller, Glenn Miller. Ouais, malheureusement, il y a Gérard Miller. Et... il y a un basketteur quand même. En tout cas, Fernando Alonso a enterré Michael Schumacher, qui voit ainsi s'interrompre son interminable suprématie. Et ça, ça fait du bien, parce que depuis quelques années, on commençait à tourner en rond en Formule 1. En même temps, c'est le propre des circuits de F1. Ça tourne en rond, mais au moins maintenant, c'est avec un Espagnol. Quand même, rappelons-le, il a gagné grâce à une voiture Renault. Hein? Oui. Ah ben oui. Non, mais c'est vrai. C'est comme Romane Cerda, finalement. Depuis qu'elle est sur Renault, ça cartonne pour elle. Autre photo, celle publiée par le Bild, grand quotidien populaire allemand, qui pour gouverner l'Allemagne a trouvé une solution. Regardez, c'est eux qui ont réalisé ce photomontage qu'ils ont appelé Schmerkel chancelier, un mélange de Schröder et Merkel. Et c'est vrai que ça donne quand même un résultat assez terrible. C'est pas mal, vous trouvez? Oui, c'est pas mal. On devrait y penser pour la prochaine présidentielle chez nous en France. Regardez, Sarkland, par exemple. Il est très bien. Il y a des mecs comme ça dans les boîtes, ils sont directeurs du personnel. J'ai Vilbius à vous proposer aussi, regardez Vilbius. Alio Aubry, très belle candidate Alio Aubry. Ou un autre mélange homme-femme, Bayroual. Je comprends que ça soit des monstres, parce que en Allemagne, cette alliance contre nature qui va sans doute avoir lieu entre ces deux opposants, c'est notamment pour ne pas tenir compte d'une partie de l'électorat allemand qui a voté plus à gauche que les socialistes traditionnels. C'est une façon de court-circuiter quand même le résultat. Et en France, on aura la même chose. On aura peut-être des alliances contre nature pour empêcher tous les petits candidats d'être finalement présents d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai pas bien compris ce que vous dites. Vous voulez dire que c'est pas normal? Pour vous, c'est M. Schröder qui devrait rester chancelier? Mais pour moi, les deux, la droite et la gauche, devraient se poser la question de savoir pourquoi aucun de ces grands partis n'a la majorité. Il a raison. Mais c'est bien la preuve que malgré des modes de scrutin différents, le problème, c'est que les gens ne se reconnaissent plus dans les grands partis et qu'ils ont envie d'autre chose et que cette autre chose n'arrive pas à émerger, quel que soit le système de scrutin. Voilà, mais ça, c'est mieux dit. Voilà. De toute façon... il faut s'attendre à tout, puisque depuis hier, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup ça sort, le journal du dimanche hier et aujourd'hui Libération nous disent qu'on pourrait avoir en 2007, en France, un duel de femmes, Michèle Alliot-Marie contre Ségolène Royal. Et c'est vrai que d'abord Ségolène, elle, a fait fort en fin de semaine dernière avec ses photos dans Paris Match. On se souvient de ses photos formidables avec sa fille, par exemple. Mais pour qu'elle soit candidate à l'Élysée, Ségolène, il faudrait évidemment que son mari soit d'accord. Au Parti Socialiste, il paraît d'ailleurs qu'on appelle
s'appelle déjà Hollande, première dame de France. Et alors, pour ce qui est de Madame Michèle Alliot-Marie, c'est nouveau, ça vient de sortir. Hein, la ministre de la Défense, à l'occasion de la sortie d'un livre qu'elle a appelé « Le chêne qu'on relève », a annoncé, c'est vrai, son intérêt, elle aussi, pour la présidentielle 2007. C'est beau, hein, comme programme et comme titre de livre, regardez le livre qu'elle vient de sortir, « Le chêne qu'on relève ». Avant, dans l'armée, les militaires avaient du bromure, avec Michèle Alliot-Marie, maintenant, ils ont du Viagra. Signalons. Pour les plus jeunes qui nous regardent, signalons quand même qu'on a déjà eu un prénom de gonzesse à l'Élysée, hein, mais c'était Valéry Giscard d'Estaing. Gérard, si c'est pas maintenant qu'on déclare sa candidature, quand vaguement on y pense, ça sera jamais. C'est tout à fait normal qu'il y ait pléthore de candidats actuellement. Mais des femmes, pourquoi pas, hein? Non, mais tu te rends compte ce qu'il dit, des femmes, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Non, mais quand tu dis des femmes, pourquoi pas? Ben oui, des femmes. Je te signale qu'au PS, le simple fait que Ségolène Royal ait osé dire que peut-être elle pourrait être candidate, ça a donné lieu à des espèces de prises de position d'une misogynie insensée. Ils ne se rendent pas compte, les mecs. Surtout qu'il faut que le mec soit d'accord. Non, mais le mec, il est secrétaire général du Parti Socialiste, c'est ça la chose. On s'en fout. Mais c'est le hasard. C'est le hasard. C'est pas parce que c'est son mec. C'est parce que c'est son mec. Soyez de bonne foi quand même. Alors, il ne faut pas le laisser faire. Alors, aux États-Unis, aux States, même chose. On parle pour la prochaine course à la Maison-Blanche d'un duel féminin Condoleezza Rice contre Hillary Clinton. On dit même qu'Hillary Clinton a vraiment ses chances. D'ailleurs, la preuve, le petit frère de Monica Lewinsky aura déjà fait une demande de stage dans le Bureau ovale pour 2008. Une autre photo, celle de Nelly Olin, la ministre de l'Environnement, heureuse hier d'annoncer qu'elle avait retrouvé ses ours. Cinq femelles ours introduites dans les Pyrénées. Bon, alors, c'est vrai qu'elles viennent de Slovénie, hein, les ours, et qu'il faudrait quand même, ça je le dis, mettre un jour un terme à la prostitution des ours de l'Est. C'est vrai. Bon, alors, c'est vrai que les ours des Pyrénées, eux, ils sont contents de voir des jolis ours d'1m80 avec un petit accent, un goût prononcé pour la vodka champagne. Mais quand même, heureusement que leur famille ours restée en Slovénie ne savent pas ce qu'elles sont venues faire en France. D'ailleurs, dans le cadre de la sauvegarde des espèces en voie de disparition, signalons que Jean-Pierre Raffarin lui a été réintroduit au Sénat par la même occasion. On sent la gaieté, on sent la gaieté, c'est extraordinaire. Bah, je sais pas ce qu'il lui fait l'autre dans le dos. Il fait un pinceau. Il le masse. On retourne aux États-Unis pour les premières photos de l'après-cyclone Rita. Alors, c'est vrai qu'ils ont des curieux prénoms, hein, les cyclones Rita, Katrina. Les cyclones américains n'ont quand même rien à voir finalement avec les Français. Nous, on avait eu le cyclone Loana, mais à part quelques vaguelettes dans une piscine, le vent était rapidement retombé. Hein. Et à Isabelle. Aujourd'hui, les cyclones ont indifféremment des noms d'hommes ou de femmes. C'est le MFLF américain dans les années 70 qui avait demandé à ce qu'on arrête de donner systématiquement des noms de femmes aux catastrophes naturelles. Et je les en remercie. c'est vachement bien, sauf que là, on n'a pas vu passer les mecs, tu vois. Entre Katrina et Rita, il y a forcément eu un mec. Il y en a eu un. Il y en a eu un, mais on ne l'a pas remarqué. Dernière photo, celle des basketteurs français qui ont remporté la médaille de bronze hier contre l'Espagne, 98-68. Ah, vous voyez, quand même, dès qu'ils n'ont pas une Renault, ils font moins les fiers, les Espagnols. Ce qui m'a énervé, c'est ce match de samedi soir. Oh, oui. Il restait 15 secondes. On gagnait avec 2 points d'écart et donc c'était gagné, quoi. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, il y a un Grec qui fait un 3 points. Et alors ils ont tous été surpris. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse un 3 points. Bah oui, ils sont cons. Les Grecs, évidemment, ils avaient plus de 3 secondes pour. Il fallait bien qu'ils marquent 3 points. Et eux, ils sont pas cons, ils ont essayé, mais ils ont gagné. Aussi, voilà. Non, mais c'est débile, quoi. Non, mais attention. Caroline Diamant et moi, nous avons une thèse sur le sport que je vais vous résumer. Tant que c'est pas terminé un match, c'est pas terminé un match. Exactement. Franchement. Ouais.
Depuis quelque temps, se mettre à nu est à la mode. On ne compte plus les calendriers où hommes et femmes, vous savez, se montrent dans leur plus simple appareil, sans aucune gêne, que ce soit des rugbymen, des pompiers, des bouchers-charcutiers, même maintenant, et on en passe. La semaine dernière, l'artiste Spencer Tunick a même photographié 1500 volontaires totalement nus dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Lyon, la capitale des Gaules. Avant d'aborder ce sujet avec l'auteur du livre, un livre qui s'intitule « Géographie de la nudité, être nu quelque part », Thierry Marquet a lui testé pour nous la nudité pour tous. Regardez cette caméra cachée réalisée par Frédéric Gilbert. Bonjour, Thierry Marquet, j'ai testé la nudité pour tous. Merci Alain. Bonjour, I'm Spencer Tunick. Je fais des photos artistiques sur le Pont des Arts. Donc j'aimerais savoir si... Bonjour, je reviens tout de suite. Hein. Non, il faut vous mettre nu, madame. Oui, bah non. Pourquoi ? J'ai pas envie et j'ai autre chose à faire. Au revoir. J'aimerais faire une photo de vous nu aujourd'hui. Non, c'est... j'ai 82 ans. Oui, mais justement, c'est des gens qui m'intéressent. Je suis... On ne voit pas les parties génitales. Hein. Devant. Vous êtes devant, en extase ? Oui, devant votre travail. Pourquoi vous ne voulez non, pas ? Non, parce que je ne suis pas assez avant-garde pour ça. Ça, c'est un travail d'avant-garde. Bravo, continuez. Déshabille-moi. Je trouve que vous avez un profil particulièrement intéressant. Moi, je fais des photos de nus artistiques. Mm-hmm. Et en fait, j'ai déjà des gens qui sont là, regardez, mm-hmm. qui sont d'accord de faire une photo avec moi. Et j'aimerais savoir si vous êtes d'accord aussi avec le vélo de faire une photo nue. Combien de temps? Ah, 5 minutes. Ok, 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 okay. Super. Vous êtes nu dedans? Ouais, oui, oui, oui. C'est une expérience unique. Mm-hmm. Ah, tout à fait. Hein. Ok, venez, venez. C'est de vous mettre comme ça, vous regardez au loin. Come on, vous mettez là, vous. Oui. Vous mettez une main là, uh-huh. comme si vous étiez avec tout le groupe. Vous enlevez le peignoir, on va commencer. Hein. Ok, on bouge pas, on bouge pas. Ok. Superbe, superbe, on bouge plus. Beautiful, beautiful photo. Bonjour. C'est vous qui prenez des photos de ces personnes nues en plein Paris? Oui, tout à fait. Vous avez une autorisation, monsieur? Non, mais c'était juste une photo. Juste une photo, monsieur. Ça reste une exhibition. Exactement, voilà. Ouais. Ah. Sans autorisation, en plein Paris, en pleine journée. Mais vous avez mis un écran. Et voilà comment Thierry Marquet a terminé au commissariat. 6 heures de garde à vue. 6 heures de garde à vue pour les 4 personnes qui étaient là. 6 heures de garde à vue, y compris pour la pauvre dame qu'on va remercier encore. Elle s'appelle Madame Pia Merten. Elle est d'origine étrangère. C'est la seule à avoir accepté de poser nue. Et elle a passé. Elle était à Paris depuis 2 heures et elle a passé. Exactement. Et elle a passé 6 heures en garde à vue avec notre équipe. Avec son nom qui est noté. Maintenant, quand elle va prendre l'avion, on va savoir qu'elle se met à poil sur les pompes. On la remercie, cette dame. Voilà. Et en plus. Non seulement elle a accepté de poser nue, non seulement elle est partie en garde à vue pendant 6 heures avec notre équipe, mais elle a accepté après quand même qu'on diffuse la caméra cachée sans être floutée. On va l'inviter à déjeuner évidemment et on la remercie encore. Ouais. Il est temps d'accueillir sur ce plateau l'auteur de ce livre « Géographie de la nudité, être nu quelque part », Francine Barthes, accompagnée d'une jeune fille qui, elle, a posé nue à Lyon pour l'artiste Spencer Tunick dans le cadre de la Biennale de Lyon. Elle s'appelle, elle, Emma Charlotte. Voici Emma Charlotte et Francine Barthes de l'Ouest. Bienvenue sur notre plateau. Alors, vous avez vu que la police a très mal réagi à notre, comment on dit ça, une installation. Elle fait son travail. Oui. Oui, c'est la loi. Ça veut dire que l'artiste qui a fait ça à Lyon, lui, avait demandé les autorisations nécessaires. Oh, oui. Ah oui, bien sûr. Oh oui, dites-vous. Oh oui. Vous aviez été sélectionné longtemps à l'avance? En fait, on n'est pas sélectionné, on s'inscrit sur un site internet un mois à l'avance. Et en fait, on est prévenu par tract. Que Spencer Tunick va réaliser une performance. Non, elle va sur internet, c'est marqué Tunick, elle dit oui. Non. Non. Pourquoi? C'est un club de rencontre en même temps. Tu
Non. Je ne suis pas certaine. Bon. Pas franchement, quand tout le monde est nu, il y a une sorte de distance de rigueur qui s'installe. Ah, pas du tout. Enfin, pas du tout. Ouais. Pas seulement. Dans le papier de Libé, ils sont venus sur place. Les journalistes étaient interdits. Donc, pour faire un article, il fallait obligatoirement se mettre nu et être dans la bande. Tout ils ont fait. Bien raconté qu'il y avait ça a fait club de rencontre aussi. Des gens se sont rencontrés. C'était pas la majorité, je suis d'accord avec vous, mais non, ça s'est produit. Non, mais les gens se rencontrent, bien sûr, forcément. Enfin, on rigole deux minutes, mais il n'y a pas, pas de rencontre. Sexuelle. Sexuel, absolument pas, ça. Alors là, vous êtes où? Ça, la photo, je trouve ça horrible. Ça fait quand qu'on s'en... Mais tout à fait, non, mais il y a une concentration. Ben oui. Et bien évidemment. Ça fait abattoir, ça fait... Mais c'est l'idée. Enfin, déjà, lui, il est américain, donc il n'a pas la culture que nous, on a en Occident. Ces images-là, lui, il les a, mais beaucoup plus de manière beaucoup plus éloignée et distanciée. Vous voulez expliquer cette photo, Francine Barthes de Loisy? Oui, bah, je suis assez d'accord avec ce que dit Christine Bravo. C'est une performance. C'est un geste artistique. C'est vrai que voir cette nudité collective de masse, ça ne peut qu'évoquer d'autres images qui renvoient à l'horreur. Ouais. Alors après, lui, sur la nudité, il n'a pas un discours sur la nudité en soi. C'est plutôt une mise en scène de masse de corps nus dans des endroits qui sont complètement incongrus. Isabelle Alonso, vous avez lu le livre de Madame Francine Barthes de Loisy, Géographie de la nudité, alors ? Alors, c'est très intéressant parce que ça démontre une chose qui est une évidence, mais en même temps, il faut le dire, c'est que la nudité, en soi, ça ne veut rien dire. C'est une question d'endroit et de circonstances, et ça peut donner des messages absolument contradictoires les uns avec les autres. On l'a bien vu dans le sujet qui illustre le sujet, c'est que, en fait, nous nous promenons toute la journée dans un foisonnement de corps nus qui est le corps publicitaire et idéalisé. Alors là, il n'y a aucun problème, les flics ne réagissent pas. En revanche, si je me mets, moi, dans la rue, dans la même tenue que les affiches pour les soutiens-gorge, je vais me faire arrêter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une nudité soit autorisée et considérée comme normale et non transgressive, pour employer un mot un peu savant, et qu'en revanche, vous et moi, on ne puisse pas se mettre à poil? Parce que moi, j'ai le souvenir que la première fois où je me suis mise nue à l'extérieur de ma maison, pour faire à la campagne ou pour aller me baigner, j'ai ressenti un sentiment de liberté absolument formidable, un sentiment mais euphorisant de liberté absolue, parce que d'un seul coup j'étais moi-même dans un environnement. Allez-y, on y va. Si vous faisiez ça ici, ça serait complètement déplacé, parce que on n'est pas dans un lieu. Le nu renvoie finalement, enfin la nudité renvoie finalement à une certaine forme d'intimité. Donc c'est ça le bien-être. Bon, se baigner sans maillot de bain, c'est un plaisir total. Maintenant, se déshabiller sur un pont parisien, enlever le truc, etc., c'est complètement déplacé, et du coup, le regard porté sur le nu n'a plus rien à voir. Vandel? Oui et non, parce que dans ce que dit Isabelle, je souscris, ça va être ma question à ce qu'elle vient de dire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la photographie, c'est pas de la vraie totale nudité? Bah, bien sûr. C'est une représentation de la nudité, et il y a un geste. Ce nu, il est porté par une image, et il est pas porté pour rien, c'est-à-dire qu'il est porté pour vendre. Donc c'est un argument publicitaire, ce nu. Et ce qui est incroyable, c'est cette formidable capacité du nu à vendre n'importe quoi. Christine, je me suis interrogée, à cause de ce livre, sur ma propre nudité. Alors bon... On va dire que je ne suis pas quelqu'un de très pudique en société, n'est-ce pas? C'est vrai que j'étais au restaurant. Même au restaurant, oui, il m'arrive de montrer mes... Ouais. Parce que c'est vrai que je suis assez fière de... Oui, c'est un peu centré hein, comme intérêt, c'est nichonnage à tous les étages. C'est bon à dire, non? Alors, pour dire que... J'ai aucun problème à être nue tout le temps. Et je me suis rendu compte, par exemple, au Mexique, sur les plages où, à peu près désertes, mais où il y a quand même du monde, j'ai aucun problème, je suis nue, ça ne me dérange pas. Et je me suis rendu compte que, finalement, quand j'ai rencontré un fiancé, je parle de la dernière fois, par exemple, j'ai passé une nuit amoureuse formidable. Oui, raconte-nous tout, ça nous intéresse. C'est intéressant. Et alors, tu t'es déshabillée. Et alors, dans la nuit, dans le lit, et le lendemain matin, il m'a dit, est-ce que tu peux retirer ce pareil ou est-ce que je peux te voir nu? Ah, je lui dis, alors ça, pas question.
Et alors, donc il mit ses mis nus et m'a dit, bon bah regarde, voilà ce que c'est que le corps d'un monsieur de 50 ans, voilà, moi je te le montre. Est-ce que tu imagines que ce que j'ai touché dans une nuit, je ne l'ai pas visualisé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas vouloir montrer? Eh bien, il m'a fallu 6 mois pour me montrer nu à la lumière à l'homme que j'aimais, alors que je suis capable de me montrer à poil absolument partout, devant absolument n'importe qui. Ouais. Non mais du coup, il est parti. Alors, est-ce que vous avez une explication? Oui, ça m'intéresse. Pourquoi? Mais je pense que c'est toujours la même explication. C'est une question de regard. C'est le regard de cet homme qui n'est pas neutre, qui n'est pas un anonyme. Caroline. Alors, au risque de vous surprendre, j'aimerais beaucoup poser nu. Je sais que je ne le ferai jamais. Et pourquoi? Parce que, non, pas du tout. Parce que je suis, alors, contrairement à elle, mais incapable. Si j'enlève ma veste, j'aurais déjà l'impression d'être à poil, de montrer mes bras. Donc, au niveau pudeur, je suis complètement à l'opposé. Donc, j'ai beaucoup de mal avec toute l'empathie que je peux avoir. Et même en lisant votre livre, qui, est, c'est vrai, est intéressant. C'est vrai que je n'avais pas réfléchi à l'époque à laquelle ont été introduits les saunas aux États-Unis, le fait que ce soit quelque chose qui était au départ pour l'hygiène, comment ça a été mal vécu. Donc, on apprend plein de choses. Mais j'essaye de me mettre à la place. Je me dis comment font ces gens pour être nus ailleurs que tout seul. Je, ça me dépasse. Je vais prolonger votre réflexion, ma chère Caroline, en posant une question à Emma Charlotte. Alors vous avez souvent posé nu là. Vous l'avez fait pour cet artiste tonique. Vous l'aviez déjà fait avant? Oui, pour des amis Qui sont artistes. Et, vous êtes modèle en quelque sorte. J'ai été modèle. Vous avez été modèle. Pas tout le temps. Qu'est-ce qui pousse à être modèle? C'est parce qu'on aime son corps? Parce qu'on a envie de le montrer? Non, absolument pas. Je pense pas du tout qu'on a besoin d'aimer son corps pour le montrer. Au contraire, c'est assez libérateur. Ça permet justement peut-être de plus l'accepter. Parce qu'il y a la première fois où on se met nu devant des gens qui ne sont pas nos amants ou qui ne sont pas censés être touchés par notre nudité. Il y a un moment où le t-shirt, il est comme ça. Et puis peu à peu, on se libère parce que finalement, on se rend compte que c'est pas tant que ça, tant qu'on n'a pas ouvert la bouche ou tant qu'on n'a pas parlé, la nudité, c'est juste la nudité, c'est moi, rien de plus. Je suis pas d'accord, parce que je suis sûre que si j'avais un corps parfait, j'aurais aucune pudeur, je me baladerais à poil avec une poule dans le cul. Parce que tu as des complexes. Non. Ah ben oui. Mais pourquoi? Bon, on va vous faire rencontrer Botero, vous allez être ravis. Non, mais le seul moyen de le ressentir, c'est de le faire, il faut que tu le fasses. D'ailleurs, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. C'est vraiment très libérateur. Ouais. Vous êtes prête à recommencer, ma Charlotte? Oh oui. Oui? Oh oui. Donc, s'il y a un artiste qui veut... Moi, je veux bien, si je peux faire une photo? Non. Ah, ok. D'accord. Attendez, Emma, vous m'inquiétez, ça n'est pas du tout un artiste, Jean. Non, on est d'accord. Vous êtes d'une naïveté incroyable. Mais c'était une blague. Alors que Gérard Miller, oui. Il fait des photos. Géographie de la nudité, c'est aux éditions Bréal. Vous remerciez toutes les deux, Francine Barthes de Loisy, l'auteur de ce livre, et Emma Charlotte qui a posé pour cet artiste, Spencer Tunick. Merci. Et nous allons maintenant accueillir Clémence. Clémence, peut-être vous la connaissez, c'est une jeune femme que les fans de Koh-Lanta connaissent bien, puisque c'est elle qui, devant 8 millions de téléspectateurs, 8 millions et demi même, c'est elle qui a remporté la 5e édition de cette émission. Perdue sur une île déserte, en train de manger des cafards, elle a réussi à coiffer tout le monde sur le poteau. Elle n'a pourtant rien du profil du vieux baroudeur qui d'habitude gagne, qui sent mauvais. Elle fait 1m68, elle pèse 48 kilos, elle a les yeux verts en amande. Une petite vingtaine d'années, c'est la plus jeune des gagnantes, un moral d'acier, évidemment. Un corps de rêve, si bien qu'aujourd'hui, il paraît que toutes les agences de mannequins se l'arrachent. Voici Clémence. Bonsoir, bienvenue. C'est vrai que peu de gens vous donnaient gagnante, en fait, au début de ce Koh-Lanta. C'est vrai, même pas ma famille et mes amis les plus proches. Moi, je suis arrivée sur cette île avec des ambitions, pas forcément de gagner, mais bon, j'ai trouvé ce que je recherchais là-bas. Comment vous expliquez que vous ayez gagné alors? Contre les baroudeurs, contre les costauds, contre ceux qui résistent peut-être mieux à la difficulté de vivre sur une île déserte sans avoir rien à bouffer? Mais je pense que c'est le fait d'avoir fait du sport de haut niveau. Au niveau mental, ça m'a beaucoup, beaucoup appris et j'avais cette expérience-là. C'est-à-dire que grâce à ça, je sais perdre, je sais gagner. Et
au fur et à mesure du jeu, je pense que j'ai évolué. Vous l'aviez vu, Philippe ? Non, mais elle ne va pas rester étudiante longtemps. Moi aussi, je sais gagner, je sais perdre. J'ai perdu votre numéro, j'ai perdu mes questions. Redonnez-le-moi. Gérard Miller a l'air intéressé pour la première fois à une émission de télé-réalité, oui. Gérard. Je suis intéressé éventuellement par le destin de Clémence. Mmh. Je déteste la télé-réalité, mmh. Je n'en change pas. Mais vous allez voir que je vais faire comme si j'avais vu l'émission. Moi, je suis quand même très intéressé par le fait que Mohamed et Kumba, à un moment donné, n'étaient pas du même milieu que vous. Oui. Et pourtant, finalement, vous avez réussi à vous entendre avec eux. Mais nous, on était l'équipe des jeunes. Oui. Et je pense que par rapport à l'équipe des seniors, on a su, même si on était différents, voilà, on a su faire des compromis pour que ça se passe bien. Et Mohamed, vous en veut encore ou pas? Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Je ne sais même pas de qui je parle, mais allez-y. Non ? Vous mentez bien, alors. Ouais. Mais je fais de la télé. Hein, il fait ça tout le temps, il est psy. Christine, vous nous avez regardé Koh-Lanta. Non, non, parce que c'est l'été, Koh-Lanta. Ça se passe l'été. Mm-hmm. Mais en revanche, j'ai regardé la dernière, je crois que c'était au fin du mois d'août, un truc comme ça. Ouais. D'abord, j'étais scotchée par votre beauté, mais alors vraiment. Merci. Vous êtes d'une beauté, mais inimaginable. C'est vrai ou pas? C'est pour vrai. Moi, c'est la perfection totale. Oui. Attends. Non. Elle a des yeux sublimes, elle a un corps sublime, elle a des proportions sublimes, elle parle joliment le français. Bah, elle est toulousaine. Non, mais attends, c'est pas donné. C'est, tout le monde ne parle pas bien comme ça. On a eu des gens de 20 ans qui parlaient pas comme ça. Les Toulousains parlent à peu près bien français. Non, oui. Non, alors ce que je voulais dire, c'est qu'elle a une belle syntaxe. Ah, voilà, et dans ces... Et dans belle paire de syntaxe. Et c'est quand même des... Et d'ailleurs, tant que... Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on a dit que les gens avaient faim sur cette île. Ouais. Bon, alors, mais comment ça se fait que vous aviez faim? Pourquoi? C'est un principe dans le jeu d'avoir faim. C'est-à-dire que le principe du jeu, c'est la survie. Et quand on vient de la civilisation, on ne connaît pas forcément les techniques pour survivre. Donc c'est vrai que dès le départ, on nous donne 5 kg de riz pour les 40 jours. Donc 5 kg de riz, ça fait ça de riz par jour. Puis après, c'est vraiment de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour chasser, pour pêcher. Mais quand vous dites à la production, écoutez, ben, ça suffit, je vais crever la dalle et tout, ils ne vous donnent pas un morceau de beefsteak? Ah non. Mais ça, c'est le genre de choses, parce que souvent dans la rue, je croise des gens qui me disent « Ah, c'est truqué » et tout ça. Oui. Et ça me met un peu en colère, parce que par rapport à ce que nous, on a vécu, on se dit « C'est pas juste que les gens pensent ça. » Personnellement, j'ai perdu 10 kilos. Il y a Mohamed qui a perdu 17 kilos. Et on ne peut pas perdre 17 kilos en étant aidé. C'est pas possible. Sinon, ça sort. Il y a une polémique. Est-ce que c'est vrai que vous avez mangé un oiseau qui est protégé, qui s'appelle du puffin fouquette? Pendant 40 jours, est-ce que vous avez mangé ce petit oiseau ou non? Nous avons mangé ce petit oiseau, nous avons réussi à en chasser. À partir du moment où on a su que c'était protégé, on s'est arrêté de suite. Quand on mange un petit oiseau, il faut toujours qu'il soit protégé parce que... on sait jamais sur qui on peut tomber. Caroline! Alors, j'ai jamais regardé Koh-Lanta, mais j'ai appelé ma sœur qui est une passionnée, je lui ai dit « parle-moi de Clémence ». Elle m'a dit... Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, que ce soit le matin, que ce soit le soir, qu'elle ait de la crasse, de la boue, elle est belle. Parce qu'il faut savoir qu'elle n'est pas juste belle parce qu'elle est apprêtée pour nous. Oui, parce qu'elle n'était pas maquillée, évidemment. Bien sûr, elle était belle dans n'importe quelle condition. Donc ça, déjà, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Elle m'a dit, c'est pas une intrigante, c'est pas une faiseuse d'histoire. Elle est saine, elle est normale. Je comprends que des marques de cosmétiques ou des agences veuillent que cette jeune fille la représente. C'est la perfection, entre guillemets, absolue. La beauté associée à l'aspect sportif, à tout ce que ça peut impliquer de corps sain, etc. Vous êtes mon antithèse, je vous aime. Isabelle Alonso. Alors, moi, j'ai vu Koh-Lanta une fois, je suis tombée sur un moment où il y a trois poteaux, vous êtes accrochés au poteau, il y a deux mecs, il y a vous, chacun son poteau, et celui ou celle qui gagne, c'est celui qui reste accroché le plus longtemps, vous avez gagné, les autres ont fini par tomber dans l'eau. Oui. À quoi est-ce que vous avez pensé quand vous étiez là en train de tenir, je ne sais pas combien de temps, c'est monstrueux. Non mais justement, je voulais savoir, est-ce qu'on cherche à penser à autre chose, à s'évader? Est-ce qu'on se concentre sur le poteau ou est-ce qu'on regarde juste les deux autres en disant « mon coco, je tiendrai plus longtemps » Comment on fait? Alors, le fait d'avoir fait de la compétition, comme je l'ai dit, ça m'a appris à m'accrocher. Donc je me disais « bon mais c'est pas grave si tu tombes, mais donne tout ce que tu as, si tu arrives à gagner, c'est le principal ».
Maintenant, il faut savoir que pendant cette période-là, ma sœur était enceinte. Elle allait accoucher, donc je me suis dit, allez, pour la petite, je vais jusqu'au bout. Ah, donc, c'est ça aussi qui m'a aidée. Philippe Vandal, il n'arrête pas de vous regarder depuis tout à l'heure, mais il vous a regardé même mieux que ça, puisqu'il a organisé pour nous le zapping de Clémence. Exactement. Philippe Vandal. Il y a une petite difficulté technique quand on fait le zapping de Clémence, c'est que cette jeune personne est monomaniaque. Regardez. Voici donc Clémence dans Koh-Lanta sur le terrain en Nouvelle-Calédonie. La voici sur la finale de Koh-Lanta à Paris sur TF1, normal. Ensuite, elle a été invitée dans l'émission de Koh-Lanta, toujours sur TF1, et dans le maillon faible, sur TF1 comme son nom l'indique. En fait, on peut dire que Clémence vit en autarcie sur TF1. Alors, dans la loge, avant l'émission, je lui ai piqué son passeport, regardez même sa photo, et siglé TF1. Alors, vous avez un tempérament de baroudeur. Mmh. En contrepartie, vous n'êtes pas encore totalement adapté à la vie sociale. Prenez pas mal ce que je veux dire, regardez. Exemple, on va la voir. En plein air, loin de la civilisation, vous êtes parfaitement à l'aise avec une machette. On voit aussi manger des poulpes crues, sans couteau, juste avec les dents, aucun problème. Mais là où ça se complique, c'est quand vous devez écrire, regardez, je fais un petit bâton, un autre petit bâton, hop le point. Oh, c'est difficile le gros feutre, oh, je préfère les poulpes. Ou alors, un autre exemple sur le terrain, vous êtes dans la jungle à la recherche d'un totem qui est très bien planqué. Vous ne vous démontez pas, vous refaites tout le chemin et vous le trouvez, je vous dis bravo. Sauf que dans la vraie vie, quand vous êtes contrarié, eh vas-y que je te fais une petite louboudeuse avec la bouche en cul de poule. Voilà. Il y a quand même une sacrée différence. Je crois qu'il y aura une sixième saison de Koh-Lanta sur l'autre chaîne, mais il faut dire aussi que c'est peut-être grâce à vous que cette année, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez y aller? On y va. Ce sera gros Lanta. Je vous remercie de vous applaudir, Clémence, mais ne partons pas, allez rejoindre Caroline Diamant. Puisque suite au succès de Koh-Lanta, il y a quelqu'un qui a décidé d'organiser un Koh-Lanta un peu spécial, elle s'appelle Michèle. Voici Michèle. Peut-être que Clémence pourra participer à votre édition de Koh-Lanta, car c'est un Koh-Lanta un peu spécial que vous préparez. Tout à fait. Enfin, que je préparais, que j'ai déjà fait. On a déjà fait la première édition. Ah, c'est déjà filmé et tout. Ah, c'est-à-dire que moi, je suis une baroudeuse. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une naufragée comme ça sur une île déserte non habitée, comme ça, sauf que bon... La Nouvelle-Calédonie, c'est quand même pas la fenêtre à côté. Ouais. Donc moi, pas con Michel, je me suis dit, je vais organiser un Koh-Lanta local direct dans mon fion. Le village où vous habitez? Ah, mon fion sur l'Orge. Pas con? C'est pas tout à fait le même cadre. Comment ça, c'est pas le même cadre? Ah, permettez-moi de vous dire pour la énième fois, monsieur Cruquet, qu'on voit que vous n'avez jamais mis un pied dans mon fion. Non. Mais ça ne serait pas. Vous voyez, vous me poussez quand même, hein? Oui, oui. Bon. Ah non, non, mon fion bénéficie d'une végétation luxuriante et chatoyante, comme ça, qui peut très bien s'apparenter à une savane, à une jungle magnifique, surtout après 2-3 apéros, tu vois que du feu. Hein, non, c'est... Mais est-ce que vous suivez les mêmes règles du jeu que le vrai Koh-Lanta? Tout pareil, exact. C'est-à-dire 16 naufragés qui débarquent, comme ça, hein, donc 8 gonzesses, 8 branleurs, garçons, pardon, et comme ça, lâchés avec le strict minimum, à savoir glacière, crème solaire et grille de sudoku. Oui, on leur donne du sudoku parce qu'on a remarqué le sudoku, le jeu. Parce qu'on a remarqué que ça rendait heureux le sudoku. Si, parce que comme dit Serge Lama, sudoku, ben, comprenez. Voilà, on est allé la chercher loin. Alors, est-ce que comme Clémence en Nouvelle-Calédonie, vous avez dû chercher vous-même de la nourriture? Ah oui, ça c'est, ah, ça c'est dur ça. Enfin, sauf que nous, on va pas jusqu'à manger des verres. Hein. Ah non. Oh, bah non, nous, on boit des verres, c'est quand même plus simple. Donc, non, mais c'est vrai, faut pas les manger, faut les boire, bien sûr. Et puis, alors, sinon, bah, on est forcé de manger cru, des fois. Ah, bah oui, on mange des pommes crues, des bananes crues, des tomates crues. Au bout d'un moment, on peut plus, on est affamé. Ouais. On a envie de viande. Il y en a un, il crevait de faim, il s'est bouffé le pied, le gars. Ah, je l'ai vu, il se faisait griller de ses orteils en brochette, comme ça. Je lui dis, mais arrête, t'es fou, t'as oublié les poivrons. J'ai mis des petits poivrons, comme ça, entre chaque doigt de pied, on s'est régalé. Alors, je suppose, et là, ça intéresse Caroline et Christine, que vous aussi, vous perdez beaucoup de poids. Ah oui, on perd tous beaucoup de poids là-bas, sauf la première semaine, ils grossissaient tous à vue d'œil, les candidats. Ouais. Mais après, j'ai compris, c'est parce que mon gamin, Jason, il avait ouvert un stand de baraque à frites, frites merguez en pleine forêt pour se faire de l'argent de poche. Enfin, on a quand même récolté 3000 euros, il est pas si con, ce gosse. Est-ce qu'il y a des épreuves, des jeux comme le bâton là, qu'on a vu tout à l'heure? Ah oui, on fait plein, les jeux de confort et machin, tout pareil que. Sauf que moi, je complique un peu la règle du jeu. Ah. Enfin, je mixe avec l'île de la tentation.
C'est-à-dire que moi, je joue la tentatrice auprès des hommes mariés, vous voyez. Alors croyez-moi pas, ils sont tous restés fidèles. C'est quand même, non, mais c'est fou. Puis si on succombe pas à moi, on succombe à aucune, hein, c'est ce que je dis. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, il y a la dernière épreuve, comme vous, l'épreuve du poteau. Ouais, on doit rester plus longtemps possible appuyé contre un poteau, comme ça. Ça fait 15 jours qu'ils y sont, les deux derniers finalistes, là. J'ai pas encore mon gagnant, hein, ils sont comme ça, là, comme des cons. Alors, j'ai pas trouvé encore mon gagnant. Clément, ça y est, il a gagné 100 000 euros. Que remporte le gagnant chez vous, dans votre Koh-Lanta à vous? Ben, la victoire, déjà. C'est quand même pas rien. Et puis également le remboursement des frais d'inscription. Ah. 2 000 euros. Que je lui rends, bien sûr, au quintuple. Hein, le quintuple, c'est le bar-brasserie en face de la mairie. C'est quand même pas mal. Florence Foresti. Dernière question. Clémence. On m'a dit vous avoir vu en Koh-Lanta en train de vous manger les ongles des pieds. C'est vrai. C'était pour éviter les ongles incarnés. Et vu qu'on on était en survie, comme je disais tout à l'heure, c'était la seule solution. Mais pourquoi les manger? Vous pouviez les arracher sans les manger. Ah non, je les mangeais pas. Non, non, ah. Non. Non, je les coupais avec les dents. Comment t'arrives à mettre ton pied dans ta bouche? Il faut être souple. Même la main, il n'y arrive pas. Elle. On applaudit et on remercie Clémence. Bonne chance à vous. Nous allons maintenant accueillir Didier Bourdon qui, après le succès de son premier film en tant que réalisateur, 7 ans de mariage et sa chanson On ne peut plus rien dire, est maintenant à l'affiche de Vive la vie, un film de Yves Fanchberg avec Alexandra Lamy, Zinedine Soilem et Armel Deutsch. Dans Vive la vie, Didier Bourdon interprète Richard, un homme riche et heureux de 40 ans, dont la vie bascule quand sa femme lui demande le divorce et qu'il réalise en plus qu'il a un QI très faible. Didier Bourdon va nous en dire un peu plus lui-même pour nous présenter ce film Vive la vie. Le voici, Didier Bourdon. Je suis tout seul encore, là, aujourd'hui. Vous êtes glabre dans le film et vous êtes barbu sur ce plateau. C'est pour un autre film? Ah oui, ça, c'est un vous faites problème. Landru, vous aussi. C'était pas mal, d'ailleurs. J'ai vu, c'était... Non, non, je joue avec les Américains. Avec Ridley Scott, qui m'a pris dans son film avec Russell Crowe. Oui. Ridley Scott, c'est ouais. Génial. Et je défends la viticulture française. Donc un film qui se tourne en France, hein, chez nous. En France et en anglais, là. C'est, parfois, j'ai le texte deux jours avant, donc il faut que... Je cogite à fond. Yes, you are. Voilà, enfin bon, bref. Eux, il faut aucun effort, t'as vu, il n'y a rien à faire, on comprend rien. Ah, no effort. Voilà, c'est épouvantable. Quand on tourne en anglais, c'est une horreur, parce qu'on arrive à assimiler son texte avec un coach et tout ça, mais ce que eux disent, surtout les Américains, tu piches pas un mot. Alors t'attends et puis. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, mais lui, tout d'un coup, tu l'entends, on a l'impression qu'il a tourné à Hollywood. Arrête tes conneries, t'es là. Non, mais j'ai tourné. Ouais, ouais, moi aussi, mon coach. Non, j'ai pas dit mais qu'est-ce que t'as tourné, toi, parle. En anglais? Qu'est-ce que j'ai tourné en anglais? J'ai tourné un film avec Burt Lancaster. Qui c'est vrai? Oui, qui s'appelait Control, Ben Gazzara. Oui, oui. Arrête. Mais et oui. Et toi, dans ta gueule, Christine. Oh là là. Alors, essaye, une fois plus, je te répète, essaye de t'intéresser aux gens et de connaître un peu la bio de tes voisins. Voilà. Il m'a mis ça a été plus facile pour Vive la vie. On va revenir à ce film qui sort le 5 octobre avec Alexandra Lamy, Armel Deutsch, entre autres. Regardez la bande-annonce. Passer un test, c'est le QI, là. Je suis con. Attendez, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Apprendre qu'on est stupide, hein. C'est dur, hein, 40 ans. Alors combien? 103. Ah, joli. Ouais, heureusement, il me reste mon physique. Non mais arrête, avec 103, t'aurais même pas eu le bac. Et justement, je l'ai pas eu, enfoiré. Ah merde, j'avais oublié. Oh, excusez-moi. Quand vous êtes stupide, il vous arrive des trucs incroyables. Une fois qu'on les mange, c'est pas mieux. Et c'est là, tu les trouves comment? Carrément naze. Qui l'a envoyé, ce ragondin? Avec ma gueule de ragondin, j'arrête pas de me cogner partout. Alors. Oh, permettez, c'est beaucoup plus grave d'être con, mais alors beaucoup plus grave. Vive la vie! Ça sort le 5 octobre. Gérard Miller, vous avez vu ce film? C'est un film... Est-ce que vous serez d'accord? Un film de rencontre, et ça se sent du début jusqu'à la fin. Et je crois que les acteurs ont dû le sentir, parce que manifestement, dans les scènes les plus graves comme dans les scènes les plus comiques, il y a quelque chose qui les habite. Et c'est vrai que c'est un film enfin, qui est touchant par ce qui dégage aussi aux alentours, pas seulement par l'histoire elle-même, par des amours forts, improbables. On est parfois à l'aube de la mort. Je trouve que c'est plutôt réussi
d'avoir fait un film finalement qui porte aussi bien son titre. Nous ici, on n'a rien compris à ce qu'a raconté Gérard. On n'a pas compris de quoi ça parle. Je prends pas le sujet. C'est-à-dire que pour entendre ta critique, Chouchou, il faudrait savoir de quoi ça parle. Et nous, on n'a pas encore eu. En deux mots, c'est l'histoire au départ de deux personnes qui ont tout pour être heureux et qui font la gueule. C'est-à-dire moi, mon personnage, il a réussi. Il passe un test de QI où il trouve qu'il est con, mais il se demande quelque part s'il n'a pas été con toute sa vie. Et Alexandra Lamy, qui est aussi un mannequin, un peu une fille qui est un peu... Bon, elle a 30 ans, bien sûr, elle n'a pas 20 ans, mais elle sait très bien qu'elle a beaucoup de charme, qu'elle est belle, et elle se dit qu'elle est moche. Et ils vont recevoir, entre guillemets, une leçon de vie de gens qui, eux, n'ont pas tous ces atouts. On rigole, mais en tant qu'acteur, moi, j'ai pas rigolé, parce qu'il y avait des jours où il fallait être à fond sincère. Quoi, Caroline, l'a vu aussi. J'ai trouvé qu'ils étaient tous... très intelligemment et très finement croqué. Là où moi je me suis un peu détachée du film, c'est que j'ai pas cru aux histoires d'amour qui les lient. Donc voilà, c'est mon petit bémol. Chacun ont été bien, bien... Moi je pense pas que ce soit des histoires d'amour. Je crois que ce qui me lie par exemple avec Armel, la jeune fille de l'hôpital, c'est pas une histoire d'amour. Ça pourra peut-être devenir après le film. La suite. Vous dire entraînez-vous ou... Non, mais je parle dans les personnages, c'est-à-dire même Alexandra Lamy avec Zindine, ce sont des gens qui se cherchent énormément. Et la jeune fille de l'hôpital, elle a envie d'avoir une sorte d'histoire amoureuse avant de peut-être mourir le lendemain. Donc ce sont plutôt des rencontres, c'est un chassé-croisé. Je ne pense pas qu'il y ait d'amour, vraiment. Ils se cherchent énormément. J'ai une question à vous poser parce que, comme vous l'avez dit, c'est un rôle magnifique pour vous. Et dans le dossier de presse, pourtant, néanmoins, vous dites que vous avez beaucoup réfléchi avant de l'accepter. Alors pourquoi, quand on a un rôle magnifique qui vous est proposé, pourquoi tant d'hésitation? Parce qu'il y a une scène dans le film qui n'était pas gagnée d'avance. On peut à peine la dévoiler, mais c'est la scène notamment dans l'hôpital, avec la jeune fille, qui a envie de s'envoyer en l'air d'une manière... Le mot, c'est ça. C'est-à-dire qu'autant moi, je suis un homme d'affaires, j'ai l'impression d'avoir un petit peu tous les pouvoirs. Et là, je suis un petit peu violé, entre guillemets, par cette fille qui dit... je dis, mais pourquoi moi? Parce que ce soit vous ou un autre, j'ai envie. Et là, comme mon personnage est dans un moment un peu critique de sa vie, il le fait. Mais ce n'est pas une scène facile, parce que faire l'amour avec une fille qui peut mourir d'un moment à l'autre dans un hôpital, c'est une scène très grave, parce qu'imaginez que la fille meurt, le type... Et je voulais savoir comment il voulait la tourner, Yves Feinberg. Et on s'est vu. Il a vu, il m'a expliqué un petit peu, j'ai senti le personnage. Ensuite, on l'a répété, comme je disais, avec Armel. Et là, j'ai dit... C'est bien, ça. Et puis, vous avez dit que ça allait être Armel Deutsch. Si vous étiez Jeanne Calment, vous auriez peut-être pas donné. Oui. Alors moi, j'ai pas vu le film, mais je comprends que c'est un film sur un type qui a un QI un peu déficient, qui est pas très intelligent. Oui, madame, pourquoi vous dites Vous arrivez sur le plateau, il y a déjà Philippe et Christine qui comprennent pas de quoi on parle. Alors ma question est-ce qu'il faut être très intelligent pour regarder ce film, déjà en général? Et est-ce qu'en général dans la vie, vous pensez que le fait d'être intelligent, ça aide à réussir ou pas vraiment? Alors la première chose, je vais vous dire, moi je ne l'ai pas vu... en salle, le film. Je l'ai vu en DVD parce que j'ai peur. En revanche, je suis allé à la fin d'une des projections. Les gens rient, mais il y a des gens qui ont les larmes aux yeux à la fin. Donc, parce que c'est assez émouvant, il faut le dire. Hein. Et tant mieux, tant mieux. Et votre QI en vrai, vous le connaissez? Et mon QI en vrai, je vous dirais très honnêtement que j'aimerais pas le passer. Parce que je ne suis pas déjà champion dans les bars, les machins, les trucs, et j'aurais peur un petit peu de subir le même truc que le personnage, d'avoir 99. Moi, je le connais, mon cul. Ah oui? Il est comme mon cul, gros. Jean? Moi, je voudrais poser une question à Didier. Est-ce que tu penses que être intelligent, ça aide pour jouer à la comédie? Moi, ce que je sais, c'est que j'ai mon fils qui a travaillé avec toi il n'y a pas longtemps. Ouais. Et je ne sais pas si faire les mots croisés du monde en 5 minutes, c'est une preuve d'intelligence, mais il paraît qu'il l'est fait. Hop, on passe à autre chose. Ah oui. Donc, je suis assez impressionné parce que moi, je rame un peu plus. Christine, mais on est quand même dans une émission de taré, tu vois. Ta question, est-ce que ça aide dans la vie pour d'être intelligent pour réussir? Alors, c'est comme si tu dis, est-ce que ça aide d'être belle pour être mannequin? Pas du tout. Je te signale que la question sous-jacente, mais je te l'explique parce que tu n'as pas l'air d'avoir compris, c'est est-ce que l'intelligence est une vertu sociale ou pas? Et j'en suis pas sûre du tout. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui réussissent très bien et qui sont des bouts de viande avec des yeux, qui n'ont pas de sensibilité, qui n'ont pas d'intelligence. Je n'y crois pas. Je pense que rien n'est toujours... problématique du personnage au début. Il dit, j'ai peut-être réussi, j'ai du pognon, mais je suis peut-être con quand même. Allez. C'est assez beau comme départ. On nous dit ça quand on est petit, qu'en étant intelligent, on va réussir. C'est pas vrai du tout. Non, mais l'intelligence, c'est quoi? Ça aide. Ça aide. Pas pour un acteur, un artiste, c'est pas vous. Alors donnez-moi des noms d'acteurs qui sont cons. Voilà. Voilà. Attends.
On prend chacun. L'émission, l'émission dure combien de temps? On va peut-être donner les noms de ceux qui sont intelligents. Christine, allez-y. Alors posez une question intelligente. Attention. Je ne sais pas si c'est intelligent, en tout cas, c'est un truc qui m'intrigue, que j'ai lu, Didier, dans une interview qui n'est pas très vieille, hein, qui date de l'année dernière, où on te demande, vous êtes heureux? Et tu réponds, non, je suis plutôt malheureux, mais ça fait partie de ma nature. Tu dis, n'oubliez pas que je m'appelle Bourdon. Oui, c'est vrai. Et après, on te demande, qu'est-ce qui vous rend mélancolique? Et tu dis, la vie. Alors, je me demandais si c'était ce jour-là où tu étais vraiment dans un état de déprime. C'est un peu ma nature, oui, c'est un peu ma nature. Donc, tu veux dire que tu n'es pas malheureux? Je crois que les humoristes sont un peu des gens mélancoliques. C'est parce que c'est une drogue de faire rire. Ah oui, vraiment. Pas forcément. Moi, je me souviens, quand on sortait du spectacle des Inconnus, j'étais drogué. Mais alors, c'est quoi ta définition du bonheur? Parce que après tout, il y en a peut-être... Elles sont multiples. Quand on te demande t'es heureux, tu dis... C'est du malheur qui se repose, comme disait Léo Ferré. Non, mais par exemple, dans ta vie de tous les jours, t'as une femme. Ah non, mais il y a des moments de bonheur incroyables. Oui, il te dit qu'un non, il te dit un non. Non, mais il y a des coups durs qui vous arrivent. J'en ai un ces temps-ci. Bon, ben, mais c'est parfois dans ces moments. Non, mais j'adore la vie, mais c'est peut-être pour ça aussi que. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a peur aussi de la perdre. Vive la vie. Voilà, c'est le sujet du film. Hein. Philippe Vandel, vous avez préparé une petite interview pour Didier Bourdon. On va vérifier si ces déclarations. Exactement, parce que quand on lit vos interviews, on voit que Didier, vous êtes quelqu'un de très mesuré. Et puis tout d'un coup, ça part, ça balance, que ce soit contre vous, vos collègues, votre producteur ou les journalistes. J'ai pas pu tout mettre, alors je vais commencer votre disque. Vous dites, j'espère que ce disque plaira, mais j'ai pas envie qu'on fasse la chenille dessus dans les campings et les mariages. Ouais. On sent pas le mec très joyeux quand même. Non, c'est pas ça, c'est que là, le disque, je travaille un peu sur l'album et il y a une chanson qui m'est venue, c'est pourquoi tu fais de la chanson du con? Parce qu'il y a énormément de gens qui disent « Ah, tu te mets dans la chanson, et pourquoi ?» Et en fait, j'ai beau dire qu'il y a énormément d'acteurs qui ont toujours chanté, et c'est pas d'aujourd'hui. Et le côté de la chenille, oui, non, c'est des chansons, j'ai pas envie de faire le petit bonhomme en mousse. T'as jamais fait une petite chenille? Hein? Comment? T'as jamais fait une petite chenille? Avec les Inconnus, non, si, on a fait des pastiches. À la rigueur. Mais dans la vraie vie. Non, mais une vraie chenille. En tout cas, moi, le faire. Oui, vie. Dans un oui, si, j'aime bien faire. Christine voulait en faire une avec vous là maintenant, histoire de vous remonter le moral. Allez, non, on fait une chenille. On va faire plaisir, allez, on fait une chenille. Voilà, une petite chenille. Ensemble, dans la queue le. Ah, la queue le. C'est bien la chenille. Alors, en tout cas, il y a un type. Didier, il y a un type avec qui vous ne ferez pas la chenille, en tout cas pas cette semaine, c'est votre ancien producteur Lederman. Vous dites, avec Lederman, il y a un véritable malaise entre nous, si on se tapait dessus, ça serait plus clair. On va pas reparler de Lederman. Alors, un mot gentil sur une collègue, on va le voir. Quand je vois Monica Bellucci, dites-vous, en couverture de première, j'avoue que je ne comprends pas. Elle a fait quoi, Bellucci, en tant qu'actrice, pour mériter cet honneur? Non, ça c'est parce qu'on avait critiqué Catherine Fro que j'avais dit ça. Et comme Bellucci faisait la une, la couverture de je ne sais plus quel journal de cinéma, ça m'avait énervé que Catherine Fro, on lui refuse la couverture. Ouais. C'est pas bien évident contre Monica Bellucci, mais c'est plus contre ces magazines qui, à mon avis, doivent faire des tests. Quoi. Ils doivent dire, tiens, ça se vend plus avec Bellucci ou Angelina Jolie. Enfin, belle, mais elle est pas moche non plus, Catherine Fro. Elle est pas moche. Mais elle joue pas cette carte-là. D'accord. Non. Et alors la dernière sera pour un journaliste. Vous faisiez une interview dans je sais plus quel magazine, dont je le sais, FHM, et vous terminez comme ça. Ah, à 46 ans, j'ai plus envie de me faire chier en interview, alors ça suffit. Allez, viens le chien, on se casse. Ça, c'est vrai. Et ça suffit. Ça, c'est une interview. Il faut un chien. Ouais, c'est ma chienne, Mambou. Ça suffit. Il voulait m'agresser, puis bon, là, ça, c'est bon, ça. J'ai pris les viens, j'ai dit Mambou, on se casse. Et puis il était content, lui. Il dit, ah, ça, il se passe quelque chose. Vive la vie. Peut-être vous aurez de la promo pendant quelques jours dans cette émission. Grâce à quoi? Grâce au Kikavuki. Kikavukwa. Pour l'instant, parmi les invités, c'est toujours Lambert Wilson et Emmanuel De Vos qui sont les premiers invités à avoir marqué le plus de points. Stevie est en tête à égalité avec Caroline Diamant. Jean-Bendigui, très bien classé. Philippe Vandel aussi. Isabelle Alonso aussi. C'est surtout Gérard Miller et Christine Bravo qui doivent se réveiller. Gérard, 3 points seulement. Christine a 1 point seulement.
Si vous faites mieux que 3 points, vous aurez une promo tous les jours dans cette émission. Au moins 3 points. Ou au moins 3 points. Oui, mais sinon, alors allons-y, c'est parti. Première photo, regardez bien. Qui est à côté de ce monsieur? Une femme? Non. Un homme? Un homme? Oui. Un Français? Non. Un Polonais? Son frère jumeau? Un Polonais? Son frère jumeau? Son frère jumeau? Attendez, laissez répondre l'invité quand même. C'est le nouveau président de Pologne. Oui, et à côté, il y a? Son frère jumeau. Enfin, il lui ressemble à un mec. Ouais, c'est ça, ouais. Bravo! Ah, c'est ça, ouais. Didier Bourdon, non? Jean! Priorité à l'invité. Priorité à l'invité. Priorité à l'invité. Exactement. La Pologne est repassée à droite et on dit qu'un des deux jumeaux sera peut-être le futur président de Pologne. C'est encore plus beau, Laurent. Un des deux sera peut-être le futur président et l'autre sera peut-être le futur premier ministre. Exactement. Et donc, ils ont un problème de famille parce qu'ils ne peuvent pas être tous les deux, vous imaginez. Mais d'ailleurs, Chirac, oui. On croit qu'il est tout seul, mais il y en a un qui est encore à l'hôpital et l'autre est à l'Élysée. Oui. Un point pour Didier Bourdon. Autre photo, écoutez bien la question parce que c'est la question qui compte. C'était quand? Samedi soir. Samedi soir, bonne réponse de Didier Bourdon. C'était les demi-finales ratées. Yes. On a gagné, certes, hier, mais on a gagné hier la médaille de bronze. Là, on aurait pu aller en finale là, si on avait gagné ce match. Ils font la gueule. Là, ils font la gueule. Hein. On se demandait même si vraiment ils allaient pouvoir se remotiver pour jouer la troisième place contre l'Espagne. Ouais. Ça, c'est 2 points, Didier Bourdon. Ouais. C'est pas mal. Ouais. D'autant qu'il reste encore une photo. Ouais. Qui joue au foot? Moi je sais. Moi je sais. Allez, allez, allez. Pas, mais j'ai pris la main et je sais pas que c'est un foot. C'est pas un footballeur. C'est non. C'est pas un footballeur. C'est un entraîneur. C'est pas un entraîneur. Non. Politicien. Politicien. Français? Oui. Français non. Anglais. Anglais, oui. Tony Blair. Tony Blair, pas du tout. Un politicien anglais, vraiment. Je connais que lui comme politicien anglais. Le prince Charles. Il est anglais. Est-ce qu'il est parti à la famille royale? Le prince William. Le prince William, William. Bonne réponse de Jean-Louis. C'est comme ça. J'ai compris. Mais ouais, mais il n'avait pas de brassard. Il n'est pas politicien. Il n'est pas footballeur non plus, et alors? Il est gaffeur, par contre, mais bon. Comment ça, il est gaffeur? Non, c'est lui qui a fait. Ah, c'est son petit frère. Je comprends tout. La croix gammée sur le bras. Oui, parce que lui, il avait trouvé un déguisement de footballeur et en fait, il va s'occuper de la fédération anglaise de football, le prince William. Ah bon? Je peux même préciser que c'était au printemps dernier à Saint-Andrews. Mais bah, c'est écrit en famille. Pardon, j'avais pas vu. Un point pour Jean Benguigui, 2 points pour Didier Bourdon. 2 points, ça mérite encore une petite promo pour Vive la vie, le film qui sort mercredi prochain. Pas cette semaine, hein, c'est l'autre semaine. C'est avec Armel Deutsch, avec Alexandra Lamy, Zinedine Soilem et évidemment, vous l'aurez compris, Didier Bourdon, notre invité ce soir. À demain. Merci.